En janvier 2010, un séisme de magnitude 7.3 sur l'échelle de Richter frappe Haïti. Un bilan lourd de plus de 300 000 morts et d'un million de sans-abri. La commune de Gressier, 24 km au sud de la capitale Port-au-Prince et tout près de l'épicentre du séisme, est durement touchée. Un cinquième de la population est décédée et 80 à 90 % des immeubles ont été détruits. Dans la localité de Tiboucan seulement, 1700 familles ont perdu leur maison. Moi te go gros caillan mi en l'air là. Bon, caillan là te vinn crasé sous moi, tombé sous moi plate. Il te katé bon mon tante. Alors c'est dans tante là m'te rete, m'te fait plusieurs. Moi après m'te vinn rete là. M'te vinn rete là parce que tante là pas là pour tout temps. Implanté dans la région par sa relation avec son partenaire Iteka, Développement et Paix a décidé de répondre à la demande et de participer physiquement à la reconstruction d'Haïti. C'est l'activité qui génère le plus d'emplois de la commune de Gressier, évidemment, de la section communale de Petit-Boucan. C'est aussi l'activité qui, d'infrastructure, la plus importante et l'un des plus importants projets de relogement qui existe au niveau national. Une maison pour la vie, projet de construction de 400 maisons, devait répondre aux besoins et correspondre à la réalité locale. Ça prenait une technologie de pointe, à l'épreuve des conditions climatiques de la région, pour assurer des maisons durables, parasismiques et anticycloniques. J'ai surtout été impressionné par la capacité de l'équipe technique d'Iteka à s'engager pleinement dans le processus et à livrer en un laps de temps record ces 50 premières maisons. L'installation d'une usine en avril 2012 a eu un impact non négligeable sur l'économie locale. Le projet a permis de créer environ 600 emplois directs et une centaine d'emplois indirects. Une quarantaine de personnes sont employées à la coordination, à l'animation communautaire, à la logistique et à l'entretien. 85 personnes travaillent directement à l'usine et environ 500 personnes travaillent comme ouvriers spécialisés ou artisans. De nombreuses femmes travaillent à l'usine et sont présentes à tous les niveaux décisionnels. Le fait d'avoir l'usine de production qui fonctionne ici avec les gens de la communauté, et là, ça va de soi. Ce n'est pas le projet de l'ITK et de développement IPA, c'est le projet de la communauté. Donc, c'est à la communauté de prendre en main son projet, d'avancer avec, de résoudre les problèmes avec nous, de penser à trouver des solutions aux difficultés. Et en ce sens, c'est véritablement un projet communautaire et participatif. En plus des retombées économiques directes, une maison pour la vie a permis de redonner confiance à la population envers les organisations locales et de faire la promotion des matériaux de construction du pays. L'usine fabrique sur place les différentes composantes des maisons, dont les blocs, les tuiles, les portes, les fenêtres et les charpentes métalliques. Moi, j'ai déjà travaillé comme maïsonnier dans l'Iteka. On regarde un peu le monde. D'ailleurs, il y a un petit monde, l'école, on devrait pas retourner pour pop. Et on a besoin, pour le moment là, pas on va retourner pour pop, parce qu'il y a un peu le monde dans la zone là, il y a un petit monde l'école, il faut travailler là. Ça veut dire les mois, ils ont l'argent et ils ont le coût de professeur. En tant que moi, tel mois, moi ça m'a payé parce que mon travail, et chaque mois, ils payent, je viens de payer. Les autorités locales sont impliquées dans toutes les étapes de planification et de mise en œuvre. Elles ont d'ailleurs contribué à permettre la percée de 8 km de route pour faciliter l'accès à des localités auparavant totalement enclavées. C'est moi qui maîtresse Kaila, qui vient pour m'entrer dans Kaila très bientôt. Alors, je suis bien content de service au Vinbaï, à ITK. Je suis capable de faire Kaila une plus belle pour moi, capable de mettre la donne. Ok, je vous remercie. Ok, mais nous, le donner pas. D'accord. Le fait d'avoir accompagné
le processus de construction des maisons, d'avoir eu leur mot à dire, d'avoir participé à toutes les étapes, donne un profond sentiment de satisfaction parce que ils ne reçoivent pas ces maisons comme des cadeaux tombés du ciel. Ils les voient comme un peu le prolongement de leur œuvre, c'est un peu leur propre accomplissement. On n'a pas seulement fait des maisons, mais on a fait des maisons dans lesquelles les personnes, les gens ont le goût de vivre. On fait des maisons dans lesquelles les gens ont vu de passer des moments joyeux ou tristes avec leur famille. Et donc, ce n'est pas juste des murs qu'on a fait, on a, de par l'implication de tout le monde et de tous les participants et de tous les acteurs, on est en train de reconstruire un peu un tissu social. Lorsque nous regarderons les modèles de maisons qui ont été construites, nous pourrons voir plusieurs caractéristiques significatives. Dans le cadre de cette coopération, nous travaillons avec plusieurs partenaires et c'est, je crois, ce qui fait le succès de cette coopération et qui fait particulièrement le succès de ce projet-ci. Journée jeudi mardi 5 février 2013 là, c'est une grosse victoire pour nous. Après 150 participants déjà fin recevoir caille payo, nous 58 participants cap recevoir clé caille qui respectait dignité nous comme monde. Victoire ça, c'est résultat travail nous dans groupe solidaire côté tête dans tête ensemble, yon travail ak l'autre pour nous bâtir caillou.